Bonjour à tous, nous sommes dimanche 15 octobre 2023, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. C'est parti pour une vidéo à action de Brie contre Aubert, donc qui est aussi ouvert le dimanche. Alors on va commencer cette vidéo avec les bijoux fantaisie avec les boucles d'oreilles dorées comme ça. C'est 1,99€, je vous le dis à chaque fois, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il y a plein de modèles et parfois quand c'est pour un événement, on sait très bien qu'on va pas remettre la paire ou bien on va la mettre 2-3 fois. Je trouve que c'est plus raisonnable de mettre peut-être 1,99€. Mais après c'est des bijoux hein, qu'on peut remettre autant qu'on veut. On a ce modèle là, on a ce modèle là, on a les colorés, on a ce style là. Alors ça c'est de... du plaqué or il me semble. Donc on a ce modèle là, on a les rondes et on a celle-ci. Alors elles sont à 2,79€ hein, les plaqués or. Les gourmettes 1,79€. En plus là avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, en général le doré on le retrouve forcément. Et on a les chaînes à maillon 1,29€. Tiens, c'est nouveau, j'avais pas fait attention à ces colliers, de toute façon c'est le dernier. Alors j'en profite pour faire un coucou à Tessa et à Linda, gros bisous les filles. On a des barrettes papillons comme ça à 99 centimes. On a le retour aussi de ces diadèmes, 1,49€. Celui-là, tout simple, doré comme ça. J'ai pas vu de retour sur ces éponges en silicone, 1,79€. On a plusieurs couleurs, hein, mais le résultat normalement est le même, qu'on prenne du rose, du noir ou du bleu. 1,79€. En tout cas, c'est tout doux. Ça m'a rappelé ces balayettes, oula, balayettes en silicone. Elles sont à 2,99€ et en plus, tiens, celles-ci, c'est les nouvelles. Elles ont une petite raclette là sur le côté. Voilà, donc pour enlever, racler comme ça, ça peut être intéressant. Et puis voilà, ce qui est bien avec ce genre de balayette, c'est qu'on peut les passer sous l'eau. 2,99€. Alors moi, même celle avec les poils, hein, je les passe sous l'eau. Mais je pense que c'est plus pratique celle-ci, du coup. On a les grands balais comme ça en silicone. Moi, quand je vois ces balais en silicone, ça me fait penser aux coiffeurs. En général, ils ont des balais comme ça en silicone pour mieux ramasser les cheveux. 1,99€. On a le retour de ces pots à provisions avec le couvercle en bambou, en verre. Parce qu'on les a eu aussi en plastique, là ils sont en verre. 3,49€. Celui-là c'est un 2 litres. Et on a le format 1 litre 2 à 2,49€. J'ai vu un truc, j'ai vu un client en avoir un sur lui. J'ai dit mais c'est trop génial ça, les calendriers de l'Avent. Bah oui, avant on en avait avec du maquillage, du chocolat, il y en avait pour enfants et tout. Alors il en existe hein, d'autres types de calendriers, mais chez Action c'est une nouveauté. Donc c'est un calendrier spécial bricolage. Il est à 17,99€. Bon, je dis à chaque fois, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'on a toujours la liste ou la photo de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous voyez, il y a pas mal de choses. C'est intéressant, je trouve, c'est rigolo. Donc, il y a 24 pièces. Tiens, crochet magnétique, ça aussi, c'est nouveau. C'est 2,39€. Maximum. Alors, si on le met comme ça, 4,5 kg et de ce sens-là, 10 kg. Les poignées noires, 98 centimes. Les joints de calfeutrage autocollants, 2,99€. Vraiment, je vous préconise de vérifier vos joints, parce que des fois, quand ils sont usés, hein, du coup, il y a du vent, de l'air qui rentre. Et c'est pas mal, on peut vraiment gagner en chaleur. C'est 2,99€. Donc, on a noir, c'est 2 x 3 mètres, ils sont autocollants. Alors, normalement, on peut les mettre sur les vitres et sur les portes. On a noir, on a du transparent et on a du blanc. Les mètres pliants en bois, 1,19€. Le rouleau nano gel, 2,19€.
Alors, j'ai vu plusieurs publications avec ce ruban adhésif double face, donc à la base pour les miroirs, 2,99. J'ai vu des personnes aussi faire tenir, vous savez, les petites étagères en métal pour les salles de bain. Les Playmobil Dinnerwise, 19,95 €. On a celui-là, Dino Spinosaur, 14,95 €. Alors moi je regarde par rapport aux chiffres parce que des fois ils se ressemblent tous. Donc je regarde par rapport aux chiffres. 19,95 €. Vous voyez celui-là et celui-là, c'est pas les mêmes. Hein. Celui-là c'est le 626, 624. Et après on a celui-là. Tiens, c'est quoi celui-là? Dino Wise toujours. Celui-là il est à 23,95 €. C'est le volcan. Tiens, c'est pour répondre à une de mes abonnées. Bon, je t'ai répondu par écrit, mais au niveau des puzzles animaux, là, ils sont au rayon enfant. C'est vrai que, ouais, on aurait pu le mettre aussi au rayon loisirs créatifs adultes, hein, parce que c'est des petites pièces. Il y a 148 pièces pour 1,19 €. On a le zèbre, le lion, le perroquet. Et je me souviens plus, je crois qu'on en avait un quatrième. Il est là, c'est le loup. Donc, il y a plusieurs pièces. Hein. Des fois, c'est 86 pour celui-là, 134... 148 et 110. Moi j'aime bien les petites mallettes comme ça parce qu'en fait les enfants peuvent tout ranger au même endroit. Je trouve que c'est plus simple. Donc les petites maisons, moi j'en avais acheté une pour ma fille mais il y a des années. C'était la maison, la première maison que j'ai connue, c'est la maison Playmobil et je trouve que c'est super bien. Là c'est un circuit de train dans sa petite valise, son et lumière, 9,95 €. Il y a 116 pièces. Pour les petites mallettes comme ça, c'est coiffeuse avec miroir, 7,95 €. On a les sets de jeux comme ça, les petites mallettes, cette fois-ci beauté. Oh, je vois qu'ils ont mis ça. Ça, c'est, je le conseille. Hein. C'est vraiment un cadeau que je conseille. Si vos enfants, ils n'ont pas ça. C'est un, allez, on va dire un jupe Decathlon. C'est une petite bûche en bois. On peut faire plein de choses. C'est 8,95 €. Alors, je ne sais pas quel âge là, ils disent à partir de 3 ans. Après, il existe des caplas, on va dire caplas, hein, dupes de caplas, beaucoup plus gros, colorés pour les plus petits. Mais vraiment, ça, c'est un cadeau à leur faire. Hein. C'est vraiment des heures de jeu. Et en plus, dans certaines écoles, des fois, ils ont des, des activités un petit peu caplas. Et c'est vraiment pas mal. Tiens, les œufs Smatcher, avec des petites surprises dedans, 1,99 €. Quand je l'ai cherché la dernière fois, je ne l'avais pas trouvé. C'est les figurines Power Rangers, 99 centimes. On avait eu les grands, et là on a les petits. Tiens, ça c'est nouveau aussi, c'est des petits pots de pâte à modeler Play-Doh. C'est 79 centimes l'unité. Donc à chaque fois en haut, on a un petit pot. Cette mousse coco, alors c'est un dupe d'une grande mousse d'une autre marque. Je me souviens plus de la marque, c'est une marque à la coco. Là c'est 1,99 €, mais c'est vrai que j'ai pas mal de retours positifs hein, sur cette mousse démaquillante. Allez, le retour de ce petit support pour mettre vos disques à démaquiller, c'est 1,99 €. Les disques à démaquiller qui vont là-dedans, 65 centimes, c'est les petits. À la gamme de soins pour les ongles, on a la base, on a le top coat, donc ça met en premier, mettre votre vernis et puis après vous rajoutez ça à la fin, donc c'est 1,25 €. Et on a l'huile là pour mettre sur les cuticules, 1,25 €. Après pour les cuticules vous pouvez mettre aussi de l'huile d'amande, hein. C'est bien, ça adoucit bien la peau. L'huile d'amande elle est à 2,79 €. Alors chez Action, hein, on retrouve 4 huiles, jojoba, amande, huile d'argan et on a aussi l'huile de ricin. Tiens, le retour de ces pompes à savon, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vues et ils ont fait d'ailleurs d'autres couleurs. C'est 1,79 €, savon impérial, donc 500 ml. On a celui-là, après je ne sais pas s'il y a une différence ou pas de senteur, et il y en a un troisième. Alors j'aurais dit vanille, lavande et olive. Il n'y a rien qui indique qu'il y a une... Ah si, peut-être là. Qu'il y a un parfum. Oui, voilà, si, olive. Alors, c'est bon. Alors, celui-là, ça doit être la lavande. Lavande. Et alors, celui-là... Non, c'est miel.
C'est 1,79€. Un petit peu de salé avec le mix là, Kyoto. 1,29€, on a celui-là, sinon le mélange japonais. 1,99€. Alors moi j'explique, parfois il y a quelques années hein, quand c'était arrivé ce genre d'apéritif, j'ai eu du mal à goûter, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais en fait finalement c'est plutôt pas mal. Après on a celui-là c'est la version piquant, c'est 2,49€. On a ça aussi piquant, hein, le Sriracha, 1,95€. On a un nouveau mélange, le retour peut-être de ce mélange-là. C'est mélange noix de cajou, je vois des noix de cajou, des cacahuètes et des raisins. C'est 5,89€ les 500 grammes. On a un mélange aussi avec des bretzels. 1,39€ bretzel. On a des petites billes de, je pense, de chocolat avec à l'intérieur des cacahuètes et des cacahuètes. On termine par du sucré avec les cookies granola. Cœur extra choco, 2,89€. Alors je vous le dis à chaque fois, parce que moi la première fois quand j'ai acheté ce genre de cookies, alors celui-là on le voit pas ouvert, mais des fois il y a des paquets, voilà, comme celui-là par exemple, on voit l'intérieur, on se dit ça va être bon et tout, ça va être bien moelleux, pas moelleux mais le chocolat va être fondant. Mais en fait, pour qu'il soit fondant, il faut le passer quelques secondes au micro-ondes. Donc là, il l'indique, mais là aussi, hein, dans cela, normalement, derrière, quand on lit, il l'indique. Il faut le passer quelques secondes au micro-ondes. Donc c'est 2,89€. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.